Salut à tous. En même temps, synchro, pour une fois. Et ben, on réalise une petite vidéo ce soir qui n'était pas du tout prévue. Et en fait, comme on approche le 14 juillet, eh bien, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une photo, enfin des photos de feux d'artifice, puisque le casino du Havre nous offre tous les ans un feu d'artifice. Et puis, bah, du coup, on s'est dit que c'était le bon moment pour s'entraîner. Et puis, pourquoi pas faire une petite vidéo en expliquant des petites choses. Alors, si vous voulez, les gars, on commence. On peut dire chacun un petit peu ce qui nous semble le plus basique pour faire les photos. Parce que ça va être compliqué de s'expliquer sur place parce qu'il y aura la foule et puis les feux d'artifice qui vont brouiller le son. Alors on y va, on a eu quelques questions et on y va. Pour le thème de ce soir, il vous faut un boîtier, un objectif. Alors ça peut être n'importe quel boîtier, puis l'objectif, il faut que ce soit un grand angle quand même, si on veut avoir toute la scène. Si on veut avoir un angle bien large pour bien capter toute la scène, puis c'est tout, en fait. Ben voilà, c'est très bien. Rien de particulier, en fait. Voilà, pas de matériel obligatoirement hors de prix ou... Non. Tout passe. En deuxième, il nous faut bien sûr un trépied et surtout un bon trépied, un trépied qui soit bien stable. Comme c'est le cas de celui-là, qui est de Sunway Photo, qui est un super trépied et qui nous a été offert par Sunway Photo et on en est très content, on les remercie d'ailleurs. Et c'est vraiment top, ça sent la solidité de A à Z. Et ça, on sait que ça va pas bouger, peu importe il y a du vent ou quoi. Et voilà, c'est super important dès lors qu'on fait de la pose longue d'avoir évidemment un trépied qui va tenir le coup, parce que sinon vous pouvez avoir le meilleur matériel et les meilleurs réglages. Si votre boîtier bouge, vos photos seront floues et donc inexploitables. Donc un bon trépied. Ne surtout pas oublier d'enlever la stabilisation quand vous êtes sur trépied, si vous avez une stabilisation sur votre boîtier. C'est important parce que sinon le boîtier il va essayer de compenser un flou de mouvement qui n'existe pas et ça va faire des photos floues. Donc faut pas oublier, quand on est sur trépied, on enlève le stabilisateur. Et idem sur l'objectif. Voilà. Parce que forcément, c'est déjà fait avoir. Maintenant, on va peut-être parler, puisqu'on a parlé matériel, qui est finalement assez basique. On peut parler un petit peu des réglages et des options que vous pouvez sélectionner. La première chose, finalement, ça sera d'opter soit pour votre retardateur ou une télécommande, voire de mutualiser les deux. Si vous utilisez un retardateur, moi je vous conseille de pas être plus que d'une seconde, parce que sinon vous risquez de louper l'éclatement ou la fleur du feu d'artifice. Donc ne mettez pas plus qu'une seconde. L'idéal étant plutôt d'utiliser la télécommande. Vous voyez que le feu part, vous appuyez dessus et elle s'éclate, et puis vous relâchez à la fin que la force s'est bien éclatée. Ou votre portable. Si vous avez un boîtier qui se connecte au téléphone, vous pouvez déclencher et vous servir de votre téléphone comme déclencheur externe, ça peut le faire aussi. Ou l'intervalomètre. L'intervalomètre aussi. Si vous avez un intervalomètre qui est directement inclus dans votre boîtier, ou si vous en avez un externe, vous pouvez mettre l'intervalomètre qui va se déclencher tout seul en continu en fonction du temps que vous avez réglé entre chaque pause et en fonction de la durée de votre pause. Alors concernant les réglages techniques, les ISO au plus bas, de toute façon tant qu'à faire pour éviter le bruit numérique, les ISO au plus bas. Ensuite le temps de pose, il va être dépendant de la lumière que vous aurez sur votre feu d'artifice, mais en gros ça va être entre 2 secondes et 4 secondes de pose grand maximum. Et puis ensuite on choisit une petite ouverture, enfin en tout cas l'ouverture qui va être là où vous aurez sûrement le meilleur piqué sur votre objectif, souvent c'est aux alentours de F8, F9. Et comme ça, une zone de netteté assez large, et voilà. Pas oublier de bien aller repérer les lieux si on veut vraiment être sûr du bon emplacement, de bien régler l'angle, tout ça, d'aller voir un peu avant, si on a le temps, si c'est possible, de bien se caler, de se dire, ah bah tiens, ça va être à peu près tiré là, si on le sait, forcément. Et puis, c'est ça, de repérer un peu les lieux avant, quoi.
Oui, on peut se renseigner. Moi, par exemple, j'ai appelé le casino pour savoir d'où est-ce que ça allait être tiré. Bon, en même temps, tous les ans, il tirait du même endroit de la passerelle, mais je me suis dit, ça se trouve, il ne va pas être tiré du même endroit. Et puis, voilà, au moins, on est certain d'où c'est tiré. Puis, en fait, on fait le tour du quai comme on l'a fait tout à l'heure, de l'endroit. Et puis, en fait, on choisit le lieu d'où, enfin, de la petite composition qu'on aura faite. C'est ça. Et c'est finalement une très bonne idée d'aller repérer les lieux en amont. Bon, on va aller s'installer, nous, de notre côté. Et puis, on diffuse en même temps les photos et les vidéos, en espérant que les photos vous plairont. Et puis, on vous dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo de déambulation. Allez, ciao. Let's go. Salut. Thank you.